Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de notre aventure avec l'Autriche où nous commencions à bien contrôler l'Empire. Trois réformes sont passées, j'ai bientôt une quatrième réforme, donc ça avance très bien. La réforme n'est pas encore apparue. Nous étions en guerre contre la Serbie-Herzégovine pour les intégrer à l'Empire, puisque grâce à cette réforme-là, on a le casus belli contre les pays non membres qui sont à l'extérieur. Donc on va pouvoir petit à petit intégrer des gens hein, à l'Empire, notamment la Bourgogne. Je pense que ça peut être un bon plan, mais la Bourgogne elle est alliée à beaucoup de monde, dont le pape, donc ça m'embête un petit peu. Donc on verra ça hein, tranquillement. De toute façon là pour le moment c'est guerre, 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 je fais que des guerres, si vous avez un petit peu suivi. De toute façon, j'ai pas grand chose d'autre à faire pour le moment, faut bien le reconnaître. Pardon. Alors la trêve avec la poupoupoum. Ouais, peut-être la trêve avec la Pologne dans 10 ans. Ok, défenseur de la foi, le Moscovite. Donc j'ai bien fait de les attaquer parce que eux ils sont orthodoxes. Donc ça aurait été problématique. Alors, il faut aussi que j'améliore mes relations avec Salzbourg. Améliorer les relations, voilà, très bien. Bon, bah donc là, il se passe pas grand-chose. Je vais pouvoir prendre la tech militaire l'année prochaine, c'est très bien. 42%. Voilà. Tech militaire. Et la tech administrative aussi, tant qu'à faire. Donc c'est cool. Ce qui me permet de prendre ce truc-là. Ah ouais, mais non. Ça, clairement, je m'en moque. Je m'en moque, mais éperdument. À 64%. Ok, le pape devient le pape lui-même. Pourquoi pas? Tant mieux pour lui. Allez, 64%. Oui, non, peut-être. Ça tombe. Du coup, tu peux venir là. Ok, tu as le bon. Parfait. Alors, on va pouvoir faire la paix avec lui. Hop là. Et je te dis. Alors. Voilà, extension du Saint-Empire. Et je peux même t'imposer la religion. Histoire de. Ah, ça crée d'expansion agressive ce truc. Je ne savais pas. Voilà. Donc je gagne 4 en autorité impériale. Très bien. Parfait. Alors, j'avais d'autres électeurs qui étaient un peu frileux. Saxe, 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 on t'améliore les relations. Et toi, Brandebourg, on améliore aussi. Voilà. On se fait pas de nos cerveaux, on repasse en vitesse 4 parce que là, il n'y a vraiment pas grand-chose d'autre à faire. Allez, on vient ici.85%, parfait. Ouais, j'ai perdu la libération impériale, mais ça, c'est pas grave. Donc, toi, tu peux revenir. Hop là. Demander la paix. Extension de l'Empire. Et je t'impose la religion également. Voilà. 42, du coup, ça monte. Alors, la question, c'est. Que faire maintenant? Extension de l'Empire, Bourgogne, Frise orientale, Naples et Venise. Alors, Bourgogne. Donc Bourgogne, ça me paraît compliqué parce qu'il est allié au pape. Bourgogne. Ah, par contre, la France ne vient pas et le pape ne vient pas. Ah, ah. Ah ça c'est cool ça. Ah, sauf que là, il y a le Danemark. Ben, allons-y, hein. Bourgogne. Hein.
Bourgogne, non, c'est très bien, Bourgogne. Allez. Allons en Bourgogne. Une famille de la... Ah. Tant pis. Non, les points de mine, c'est quand même... C'est quand même important. Ok, donc il n'y a pas la Bourgogne qui est venue. Donc c'est parfait. Non, mais avec la quadruple... Avec la quadruple union personnelle, c'est... Ah! Alors ça, c'est moins drôle, par contre. Mais bon, c'est pas grave, je gère. Avancée militaire. Alors j'ai beaucoup d'inflation. Notamment parce que j'ai une mine d'or. Donc on va éviter de trop avoir d'inflation quand même. On s'occupe un peu de ces rebelles. Ouais, la Renaissance là-bas, nouvelle rivalité. Oui, vas-y, vas-y, Pologne. Sois mon rival. Ça va me faire doucement rigoler, c'est tout. Alors, Brabant, Clèves, Liège. Ok. Alors, Liège. On va faire ça déjà. Et moi, je vais prendre le Dijonais. Parce que ça m'intéresse de prendre le Dijonais. Voilà. Très bien. Toi, tu reviens. Alors. Clèves. Bravo. Ouais. Alors, ce qui est un peu con, c'est que je vais pas pouvoir faire grand-chose contre Clèves. Par contre, Brabant, tu vas peut-être pouvoir libérer des trucs. Éventuellement. On va voir. Libération impériale contre la Savoie. Oui, bah on peut pas tout faire, hein, tout le temps. C'est pas possible. Ah, moi 14%. Trêve. Trêve et Mayence. Trêve. Et Mayence. Ok, Venise, si tu veux. Alors, Brabant, ouais, il y a du monde. Alors, attends, viens par là, toi. Parce que là, ça fait de la merde. Ça fait clairement de la merde. Ça va pas, ça. Bon, 28. 14, très bien. Un roi sur le trône de Naples. Ok, à la fin du siège de Vienne, parfait. Allez, viens par là, toi. Donc, oui, bah, Liège, du coup, il va venir. Hein. Fin de la trêve avec mon vassal. Ah, ok, reconquête là-bas. C'était où là? Ah ok, t'étais là toi. Tiens donc. C'est curieux. C'est très curieux. Ok, là on est bon. Donc Liège. Liège, Liège, Liège. Ok. Bon. Je peux pas faire grand-chose. Ma foi. C'est très bien de faire ça. Pas besoin de plus en vrai. Alors. D'ailleurs, ouais. Ah, si je pourrais rentrer dans mon âge d'or si je veux. J'ai adopté un dénier de courance. Je vais m'y un rival. Donc, oui, effectivement, je pourrais rentrer dans mon âge d'or. Mais ça m'intéresse pas du tout de rentrer dans mon âge d'or maintenant, en fait. 21%. Alors, Brabant, Clèves. Alors, Clèves est bientôt mort. Voilà. Donc, Clèves.
Bon bah pareil. Ah, tu peux rendre quelque chose à Geldre, mais. Pff. Il est où Geldre? J'ai même pas. Ah, Geldre. Ouais. Bon écoute, pour le moment, je te laisse comme ça. Ça sert à rien de s'embêter. Alors par contre, est-ce que ça rentre dans la mission des Pays-Bas? Oui. Je peux peut-être le vassaliser, le Brabant, du coup. L'Aragon. Ah, ah. Tiens donc. Ok, l'Aragon, pourquoi pas. C'est curieux. Ici, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, le pape, le pape, le pape. Non, c'est vrai, il faut que j'améliore mes relations avec le pape, ça va pas du tout, ça. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout, du tout. Alors. Bon, là, on va faire ça, sinon on y est encore jusqu'à demain, là. Cardinal ministre. Non, on va reprendre du prestige un peu. Tout simplement. Ah. Ok, j'avais pas vu que Brabant était là-bas. Soit. Admettons. Mayence. Bah, on va le faire revenir, hein, ma foi. Alors, parmi mes sujets, non, j'ai pas de problème. Milan, Milan, ouais, ok, Milan. On va améliorer les relations avec Milan. Ma foi. Non, j'ai l'impression que ça s'est stabilisé par là-bas, c'est cool. Alors, durée de recrutement, bon, ça sert pas à grand-chose, mais admettons. Ah, et ça, par contre, la réduction annuelle de l'inflation, elle va vraiment faire du bien quand elle sera effective. Ok, donc là, il a compris qu'il devait se barrer. Très bien. Ah, ok, Brabant demande la paix, admettons. Allez, viens là, toi. Ah, c'est très bien que la Bourgogne va rentrer dans l'Empire. C'est parfait. Alors, ce qui est moins parfait, c'est les 7000 hommes qui sont là, par contre. Influence, oui. Bah, allons-y. Durée de voyage des émissaires, très bien. Ah oui, et puis ça fera l'exigence injustifiée et ça me donnera ça. Non, c'est très très bien. C'est absolument parfait. Alors forcément, ça me coûte cher en corruption, hein, on va pas se mentir. Donc ce qu'on va faire, c'est ça. Voilà. Comme ça, au moins, je fais à nouveau des points militaires. Année exceptionnelle. Gain de 2 productions à Vienne. Ah oui, ah oui. Alors là. J'hésite même pas une seule seconde en fait. Voilà, fin du siège de Anvers. Parfait. Alors. Non, je peux pas le vassaliser de toute façon. Donc, on se pose pas la question. On fait juste ça. Voilà. Et du coup, Verdun, l'annexion totale a été exigée. Lübeck, là, t'exagères par contre. Ouais, non, là, faut pas déconner quand même. Là, c'est un peu gros là. Donc. C'est très simple, demander la paix, donc je prends le Dijonnais et tu intègres l'Empire. Voilà, tout simplement. 56, très bien. Ça coûte très très très
Très, très, très cher. On va pas se le cacher. Je pensais pas que ça coûterait aussi cher. Ouais. Ouais, ben ça coûte un peu d'argent, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Étape pontifico, au moins 100. Oui, pourquoi pas. Ori, Macédoine, oui. Atelier à Laïbar. Alors, c'est où Laïbar? Laïbar. Non, ça sert pas à grand-chose. Ah, quoi que. Ok, on va faire ça. Alors. 6, bon, on va attendre un petit peu. T'es où toi? Ah, t'es là. Ok. Oui, 50. Bien. Alors, je peux attaquer lui aussi. Ah, par contre, là, il y a tout le monde qui vient. Donc là, clairement, on va éviter. Je les compte qui d'autre, ce casus belli? Naples et Venise. Ah oui, je peux attaquer Venise. Je peux attaquer Venise. Mais j'aimerais bien récupérer des trucs en fait. En termes de trêve. J'ai l'impression qu'on va se calmer un petit peu là en fait. Non. Vous voulez vraiment rentrer dans la coalition. Ah oui. Et il pense que ça a des chances de fonctionner, non? Parce que. Enfin, je sais pas, je. J'essaie de comprendre. Ok, parfait. Non mais allez-y, hein, rentrez dans la coalition. Hein, ça va vous faire drôle. Hein. C'est moi qui vous le dis. Ok, Ulm. S. Ah oui, ah oui, ah oui. Alors c'est vraiment de la grosse coalition, quoi. Bon, ok, là ils se font plaisir dans leur petit coin. L'annexion totale. Ah, ouf. Ah, ça c'est moins drôle par contre. Que la France rejoigne, c'est moins drôle. Bon, ok. Il y a des gens qui rentrent dans la coalition. Ouais, donc c'est pour ça qu'ils font un peu la gueule. Je comprends. Oh. Il y a une ville libre qui a disparu. Ah bah oui, c'est quand il a bouffé Verdun. Toutouk. Dithmars et Mantoue. Ben, Mantoue, tu vas devenir une ville libre. Vois-tu? Voilà. Tu as le statut de ville libre, tout simplement. Et du coup, ça va mettre un peu longtemps à arriver ici. Enfin, la coalition, on est d'accord qu'elle a aucune chance d'éclater jamais, en fait. Enfin, je. Ah, et moins 51. Enfin, surtout que je suis juste 10 fois trop fort. Bon, après, je peux toujours déclarer une guerre pour faire péter la coale, hein, mais. C'est pénible. Et j'en rejoins la coale, bon, soit. Admettons. C'est pas non plus. Là, je sais pas trop pourquoi, ils sont pas contents alors que j'agrandis l'Empire en vrai. Oula, attendez, 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 qu'est-ce que c'est ça? Ah. Ah.
Pas bien ça. Bon, le problème, c'est que je peux pas déclarer la guerre à la France, puisqu'il y a toute la coale qui... Voilà. Mais ok, je note. Ben, du coup, je peux faire ça en vrai. Alors. Cracow. Bah oui, Cracow, c'est là. Donc, je peux faire ça par contre. Hop là, viens par ici. Ok, conversion. Allez, 50 mois, ça commence à devenir plus long, c'est sûr. Bon, alors, qui c'est qui est dans la coalition là? Nassau. Ok, j'améliore déjà les relations. Qui c'est qu'il y a d'autre? S. Bon, on améliore les relations. S, allez. Cardinal démasqué. Ouf, ça c'est violent ça. Alors, non, j'ai toujours rien d'intéressant. Ok, Cracow, si tu veux. Ah! La guerre de coalition s'annonce. Le problème, c'est que je pense que j'ai pas de casus belli contre personne. Est-ce que je peux déclarer moi-même la guerre de coalition? C'est ça la question. Alors, je peux déclarer la guerre contre lui. Contre lui aussi. Faut prendre le plus facile. Pour vite faire une paix blanche. C'est plus facile si c'est moi qui déclare la guerre que si c'est eux, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a pas de fort. Je pense qu'il faut que je déclare contre lui. Parce que là, il n'y a pas de fort non plus. Par contre, là, il y en a un. Ok. Donc, il faut que je déclare la guerre moi-même. Prendre Wasserburg. Ok. Très bien. Boum. Non, attends, passe par là, s'il te plaît. J'ai pas le choix, malheureusement. Alors, on va repasser en vitesse 4, du coup. Les gardes d'Italie, bon, ça, on s'en fout, en vrai. Ah oui, là, c'est compliqué, là, je te le cache pas. Ah, faut vraiment, vraiment, vraiment. Ok. Très bien, très bien, très bien. Ok, là on s'en fout. Faut vraiment prendre ça le plus vite possible. Ok. Bon, j'ai été obligé de faire cette manœuvre, malheureusement. Ok, parfait, j'ai l'objectif de guerre. Alors, on va attendre juste un petit peu. Voilà. Le problème, c'est toutes les batailles que je suis en train de perdre là, c'est pas bon ça. Pas bon du tout, même. Allez, 35.
28%. Faut que ça tombe, s'il te plaît. J'en ai vraiment. Yes, c'est tombé. Ok. Un peu de chance, ça fait pas de mal. Et si je pouvais faire des stack wipes. Voilà, stack wipe, c'est intéressant. On vient ici. Alors, paix blanche. Bon, ça va être un peu long, hein, ça c'est clair. Mais ouais, il faut faire des stack wipe en chaîne. Allez, yes, 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 voilà, stack wipe, c'est très bien. Alors, du coup, ici, on prend lui. Est-ce qu'ils arrivent aux mêmes dates? Oui, ils arrivent aux mêmes dates. Donc ça, c'est bien, ça, déjà, qu'ils arrivent aux mêmes... Il y a du monde. Il y a... Beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Ok. Pourquoi je peux pas aller là? Ok, donc là, ça converge par là. C'est fou parce qu'ils disent qu'ils arrivent à la même date alors que c'est pas vrai en fait. Toi t'arrives le 2. Et toi tu vas arriver le 2 aussi. C'est risqué, hein. C'est très risqué ce que tu fais. Ouais, y a du monde. Faut que ça aille très très vite. Ok, stack wipe. Donc là, c'est bien. Oh. Poulou. Ok, Silé est bientôt tombé, donc ça c'est bien aussi. Moins 24. Ouais, c'est le problème, c'est que j'étais obligé de déclarer la guerre, sinon c'est lui qui allait déclarer la guerre et ça allait être une cata. Donc voilà. Par contre, la difficulté, c'est que du coup, il reste des troupes à ce brave monsieur. Ouais, 2000. 1000. Et je sais pas du tout où elles sont. Et tant qu'il a des troupes, c'est toute la difficulté du truc en fait. C'est que tant qu'il a des troupes, il se croit fort. Ouais, ben elles sont là. Ah là là là, c'est beaucoup trop long de faire le détour. Heureusement, je peux pas à cause de Wurtzbourg. C'est problématique. Les normes demandent un plus strict. Ouais. Donc vous partez le 13, 18. Allez, stack wipe, yes, stack wipe. On va attendre.
Il y a un petit stack wipe à faire ici. Ok, les deux arrivent le même jour, ça c'est bien. Donc là on fait ça. Là on fait. Ok, là ils sont déjà bons. Boum. Allez, stack wipe, yes. Pas qu'il récupère ce truc puisque c'est l'objectif de guerre. Ok, donc là il se barre, il a compris, et là il se barre aussi, c'est très bien. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode qui est assez duré. Je vous retrouve la prochaine fois pour finir cette guerre de coalition le plus vite possible. Moins 19, ok. Puisque voilà, là ça va. Ça va me prendre du temps, on va aller lentement, donc je sens que là ça commence à déborder en plus comment on appelle ça, la durée de l'épisode déborde. Donc on s'arrête là pour cet épisode, on se retrouve pour finir cette guerre de coalition la prochaine fois, et continuer notre expansion dans l'Empire. Ben voilà, je me posais la question, qu'est-ce que j'allais faire? Ben voilà, j'ai ma réponse, il fallait faire cette petite guerre de coalition. Très bien, allez, ciao.